Yo les potes, tout le monde, c'est Dizma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo chargée en mercato avec de très nombreuses officialisations qu'on va répertorier aujourd'hui. Mais on commencera par deux petites infos qui font plaisir. On enchaînera avec les rumeurs, puis les officialisations que je viens de vous parler, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence donc la vidéo avec la préparation. Un nouveau match de prépa a été annoncé contre le FC Saint-Pauli, champion de deuxième division anglaise-allemande, pardon les gars. Ils sont donc promus en Bundesliga et on les affronte le 27 juillet à 18h, donc pour clôturer le stage en Autriche. Nos joueurs qui ont repris d'ailleurs l'entraînement vendredi avec le sourire, avec la bonne humeur. Et ça fait plaisir aussi avec des recrues dont on reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Deuxième info les gars, Alexandre Lacazette, les gars, qui n'a pas été retenu avec les A pour l'Euro et on voit franchement le manque. Parce que bon, franchement, en efficacité, on est très très mauvais et Lacazette aurait pu faire vraiment du bien. Heureusement, il a été sélectionné par Thierry Henry. Et l'info que je veux vous dire, c'est qu'il est donc capitaine, vous l'avez sûrement vu contre le Paraguay, il est capitaine de l'équipe de France Espoir pour les JO. Et ça fait plaisir de le voir avec un maillot de l'équipe de France, avec le numéro 10 et avec le brassard. Les gars, ça peut que faire plaisir. Donc, on est content de voir ça. Maintenant, la page Mercato, pas mal de choses à dire. D'abord, avec des rumeurs, j'ai pris le post-it, il y a vraiment beaucoup de choses. Tout d'abord, dans le sens des départs. Les infos de départ, on a l'Olympique Lyonnais qui refuse, et heureusement, une offre de 10 millions d'euros de Reims pour Mamadou Sarr. Alors, les gars, c'est une pépite Mamadou Sarr, on peut pas le vendre, et l'OL est sur la même longueur d'onde. Le défenseur est plutôt bien heureux à l'Olympique Lyonnais. Il ressort d'un prêt concluant à Molenbeek, il veut s'imposer à Lyon. Et Lyon souhaite le conserver pour lui donner du temps de jeu la saison prochaine. Et je pense que tout le monde est content parce que ça peut être vraiment quelque chose. Un défenseur à gros potentiel, Mamadou Sarr. Donc heureusement, on a refusé l'offre de Reims. Ensuite, deuxième info, départ, deuxième rumeur des départs. Le BVB, donc je le dis à l'allemande, Dortmund, est en pole pour Ryan Cherki. Donc on l'avait annoncé beaucoup en partance au PSG. Or, il serait plus séduit par le projet des Allemands. Et ça ferait plaisir. Parce qu'il refuse l'argent du PSG, dont le salaire est bien supérieur à celui proposé par Dortmund, pour ne pas aller chez un des rivaux de l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est beau, ça c'est l'amour du maillot, la reconnaissance pour son club formateur, ça fait plaisir. Et je lui en voudrais pas s'il part à Dortmund en refusant le PSG. Je lui en voudrais par contre s'il part au PSG, je pense, comme beaucoup de Lyonnais. Mais ça peut lancer sa carrière en vrai. C'est un bon joueur, on aimerait le garder parce qu'il a un potentiel de malade. Mais il n'arrive pas à éclore et je pense qu'il n'arrivera jamais à éclore à l'Olympique Lyonnais. Il faut donc le voir ailleurs et à Dortmund, je pense que ça peut être bien pour lui, un championnat offensif en plus. Donc je pense que ça a des bonnes caractéristiques pour notre cher Ryan Cherki. Donc deux infos cette fois-ci dans le sens des arrivées, du moins la première plus ou moins. Anthony Lopez pourrait rester à l'Olympique Lyonnais et honorer sa dernière année de contrat. Les rumeurs le concernant n'ont pas l'air de trop le satisfaire. L'Arabie Saoudite notamment. Le Portugal aussi, mais plus pour des questions salariales, le Portugal. Donc il pourrait rester à Lyon et ça me ferait vraiment plaisir. Voir encore une fois notre gardien de dernière année à Lyon, même si je ne pense pas qu'il sera titulaire. C'est beau dans le romantisme du foot qui est de moins en moins présent actuellement. Donc on peut qu'en être content aussi. Cette fois-ci, un latéral gauche, une dernière info, une rumeur. Thomas Meunier, ancien latéral gauche du PSG, est annoncé du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors il joue en Turquie, à Trabzonspor. Il a une clause libératoire dans son contrat qui fait qu'il peut partir gratuitement cet été. L'AS Monaco est sur le dossier, tout comme donc l'Olympique Lyonnais. Pour moi, je ne pense pas que ce soit une bonne affaire, Thomas Meunier, déjà parce qu'il a joué au PSG. Enfin, personnellement, en tant que supporter, enfin, pas pour moi, mais genre tous les supporters, on n'aime pas le PSG. Le club a plutôt des bonnes relations en termes de transfert avec le Paris Saint-Germain, même si là, le transfert n'est pas direct, puisque c'est Trabzonspor et il n'a plus aucun lien avec le PSG, Thomas Meunier. Il a 32 ans quand même, il commence à se faire un peu âgé. Certes, ce serait gratuit, il est plus sur la fin que le début. Il n'était pas très performant, même s'il joue au PSG et qu'on connaît que les joueurs du PSG, surtout quand ils arrivent en fin de carrière, eh ben, ils sont plus très très bons. Donc c'est quand même assez bizarre cette petite rumeur, mais moi je valide pas trop. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Voilà pour les rumeurs mercato. Maintenant, on va passer à la partie officialisation, et il y en a beaucoup, les gars. Donc, les officialisations, et là, on va parler pendant longtemps. On commence avec les féminines en vitesse. Quand il y a des trucs importants, on le dit. Et donc, Tabita Chawinga est officiellement à l'Olympique Lyonnais. Meilleure buteuse et meilleure joueuse de D1 Arkema qui était prêtée d'un club chinois au PSG. S'engage jusqu'en 2027 à Lyon. Je n'ai pas le montant du transfert, il n'a pas fuité.
Je n'ai pas plus d'infos à ce sujet-là. En tout cas, c'est une recrue de taille pour l'OL qui peut que se remettre bien vis-à-vis de ses adversaires qui prennent encore du pouvoir. Donc, contrairement au Paris Saint-Germain qui est notre plus grand rival du côté du foot féminin. Cette fois-ci, chez les masculins. Donc, on commence avec les options d'achat levées. Il y en a deux. Donc, la première, Saïd Benrahma. L'attaquant algérien de 28 ans signe jusqu'en 2027 à l'Olympique Lyonnais. On lève son option d'achat qui était à hauteur de 14 millions d'euros. Donc, en vrai, je pense que c'est une bonne offre parce qu'il peut faire plaisir. Il arrive à son prime, 28 ans, c'est la force de l'âge. Je pense que ça peut être pas mal. Saïd Benrahma nous a pas toujours satisfait cette moitié de saison, mais il a montré des choses intéressantes. Et en termes d'expérience, je pense qu'il peut apporter à l'effectif. C'est une bonne chose. Ensuite, Aurel Mangala a aussi on a aussi levé son option d'achat. Cette fois-ci à 23,4 millions d'euros, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'Olympique Lyonnais. Ça fait beaucoup, il signe jusqu'en 2028. Alors malheureusement, il n'a pas fait une très très bonne moitié de saison avec les blessures, puis Pierre Sage ne lui a pas trop donné sa chance, malheureusement. Et c'est un peu dommage parce que c'est un bon joueur qui avait fait du bien à Nottingham Forest notamment, qui certes a fait un mauvais euro avec la Belgique, mais je pense que ça peut être pas mal, ça fait cher franchement. 23,16 millions d'euros, ça fait un peu cher. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la loi du foot. Et je pense qu'on a beaucoup d'argent parce que Textor, il sort l'échec comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a pas mal de zéros, on va dire. Puis 24 millions de Mangala, les gars. Bon, c'est pas le plus choquant dans les officialisations qui arrivent. Mais ça pique un petit peu. On espère que ce sera performant sur les prochains mois à l'OL. On enchaîne cette fois-ci avec notre coach. Et ça, quel bonheur. Pierre Sage signe jusqu'en 2026. Il a réussi son BEPF, je l'avais dit. Il est donc entraîneur titulaire. Et il signe jusqu'en 2026, les gars, c'est exceptionnel. Notre sauveur renouvelle son contrat. Il n'y avait aucun doute là-dessus, mais ça fait plaisir l'officialisation. On peut qu'être content et lui souhaiter bonne chance. Il arrive avec les adjoints que j'avais dit dans la vidéo précédente, mais en gardant certains aussi adjoints, notamment Rémi Vercoutre, qui reste à l'Olympique Lyonnais, alors qu'il avait aussi été annoncé sur le départ, l'entraîneur des gardiens, mais finalement, il reste. Et ça, c'est pour notre plus grand bonheur. Maintenant, on revient du côté des joueurs, et cette fois-ci, les transferts qu'on avait déjà annoncés aussi précédemment. Moussa Niakate, défenseur central sénégalais, signe à l'Olympique Lyonnais pour 31,9 millions d'euros. Et là, c'est très cher, c'est le deuxième joueur le plus cher de l'Olympique Lyonnais après Mangala. Il signe jusqu'en 2028, il a 28 ans, il arrive dans la force de l'âge. Il fera du bien, notamment dans la sérénité, dans la voix, dans le leadership, surtout en défense, parce que O'Brien, Galhaït-Tchar, n'empêche, ça parlait pas trop, et du coup, je pense qu'il va faire du bien à ce niveau-là, même si ils nous font un défenseur qui prenne plus de risques techniquement pour ressortir des ballons propres et qui casse des lignes, ce qui n'est pas trop le cas de notre joueur qui est bon techniquement, Moussa Niakate, mais qui ne tente pas trop de choses, qui ne prend pas trop de risques, comme je l'ai expliqué lors de la précédente vidéo. N'empêche, je pense que ça peut être quand même un joueur pas mal, on lui laissera le temps de s'adapter, et par contre, 32 millions d'euros, c'est trop cher, les gars, il en vaut moitié moins. Pour moi, il en vaut 20, pas plus, en vrai. 32 millions d'euros, franchement, c'est beaucoup. Il a intérêt à nous satisfaire parce que ça craint quand même. Et encore une fois, ça illustre que Textor sort les billets tranquilles. Je sais pas d'où il sort cet argent, mais faut qu'on m'explique. J'ai peur qu'il nous foute dans la merde sur le long terme. Comment il peut sortir autant d'argent? Faut m'expliquer. Bon, on enchaîne. Abner Vinicius, je l'avais annoncé il y a quelques mois déjà parce que on avait entendu parler pour les premières fois il y a un petit moment de ce transfert. Latéral gauche qui va remplacer Henrique, donc qui s'en est allé. Et à 24 ans, il vient du Betis Séville, on le recrute 8 millions d'euros, plus 20% à la revente, donc qu'on accordera au Betis Séville. Pas mal en doublure de Tagliafico, si Tagliafico reste. Pour le moment, c'est le cas, il n'y a pas d'annonce, même si je doute qu'il reste lors de ce mercato, mais Nicolas Tagliafico. En tout cas, Abner Vinicius, un bon joueur qui sera une bonne doublure, et moi je pense que c'est un bon coup réalisé par l'OL. En plus, c'est un jeune joueur qui va forcément progresser. Dernière officialisation, les gars, qui tombe juste avant que je tourne la vidéo. Thiago Almada, les gars, j'avais annoncé, signe à Botafogo pour 5 ans. Le prix, ce serait environ 27 millions d'euros. Ça fait cher aussi, mais c'est Botafogo qui paye. Il viendrait à Lyon cet hiver, normalement. Autre interrogation, une clause libératoire à 500 millions d'euros. De quoi verrouiller le joueur et le laisser au long terme dans la Galaxy Eagle. Alors, les pauvres supporters de Botafogo, je les plains. On leur vole tout ce qu'ils ont. On leur a volé Lucas Perry qui était un très bon gardien, on leur a volé Jefinho qu'on leur a rendu, mais bon, on leur a volé pendant un petit moment alors qu'il était performant. On va leur voler Thiago Almada, en plus on va leur faire payer le coût très cher de Thiago Almada qui va rester que 6 mois au Brésil. Franchement, c'est compliqué, hein. Les pauvres supporters de Botafogo, je ne sais pas s'ils vont rester longtemps dans le silence,
Mais je serais eux, j'aurais demandé à Textor de vendre le club. Parce que bon, franchement, se voir voler nos joueurs par un club qui n'est même pas sur le même continent, ça fait pas plaisir. Et ça, c'est nul pour les ambitions du club. Donc c'est un peu dommage. C'est le multipropriétarisme, c'est pas français, mais vous avez compris l'idée. Et je m'y oppose, vous le savez, dans le foot, c'est pas des valeurs que j'aime, le multiclubisme, c'est toujours pas français. Mais en tout cas, on s'est capté, c'est pas fou, et il faudrait interdire ça. Mais malheureusement, ça procure de l'argent aux instances, ce sera trop long à expliquer. Même moi, j'ai pas tout compris de. Enfin bref, les gars, on va pas partir sur le dossier, on part sur Thiago Almada, 23 ans, milieu offensif de Atlanta United. Grosse pépite annoncée en Europe dans les plus grosses écuries depuis longtemps. Il va signer à l'OL, enfin à Eagle, et il viendra donc l'année prochaine à l'Olympique Lyonnais, en janvier prochain, du côté du Rhône et de la Saône. Et ça fait plaisir parce que c'est une grosse pépite. Mais par contre, le temps qu'il s'adapte au championnat européen, je ne pense pas qu'il sera performant très rapidement. Voilà pour la vidéo, principalement axée sur le mercato qui a fait palpiter les cœurs lyonnais cette semaine. Donc voilà, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro. Et comme le dit Bartruzza, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao, ciao les gars!